L'affaire Maddy McCann n'a pas fini de faire couler de l'encre. 16 ans après la disparition de la petite Britannique lors d'un voyage familial au Portugal, le mystère reste entier. Pire encore, celui-ci semble s'épaissir de jour en jour. Il y a seulement quelques semaines, une Polonaise tentait de se faire passer pour la fillette disparue sur les réseaux sociaux, avant que ses dires ne soient invalidés par des tests ADN. Récemment, de nouvelles fouilles ont été lancées près du domicile de Chris Bruechner, suspect principal de l'affaire McCann. Une découverte de documents numériques lui appartenant aurait relancé les suspicions. Pendant ce temps, le prévenu, emprisonné à Oldenburg en Allemagne pour viol, crie son innocence de derrière les barreaux. Dans un courrier de 4 pages adressé au quotidien Britannica, Chris Bruechner tente de se faire entendre. Vous ne pourrez jamais imaginer ce que CIST quand le monde entier croit que vous êtes un meurtrier d'enfants, et que vous ne l'êtes pas, a-t-il avancé dans sa lettre. On m'a dit il y a longtemps que le bureau du procureur clôturait l'affaire Maddy parce qu'il n'y avait même pas la moindre preuve. Les dossiers contiennent de nombreux éléments qui confirment mon innocence. La police et les procureurs tentent de créer un monstre pour divertir et laisser les gens penser que je suis le bon. En attente de la vérification de ses dires, Chris Bruechner demeure, toujours aujourd'hui, le principal suspect de la disparition de la petite Maddy. Chris Bruechner, agresseur sexuel multirécidiviste au profil pédophile, s'il clame haut et fort son innocence, il faut reconnaître que les chances ne jouent pas en la faveur de Chris Bruechner. Actuellement emprisonné en Allemagne pour le viol d'une Américaine âgée de 72 ans, le suspect a également été inculpé par le passé de 5 autres crimes et délits sexuels commis entre 2000 et 2017. Nos confrères de RMC Crime le présentent comme un Allemand au profil de pédophile multirécidiviste. Depuis 2020, celui-ci retient, par son casier judiciaire et sa proximité avec les lieux des faits, l'attention des forces de police dans l'affaire McCann. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, pas photo à backup.